une victoire importante contre une bonne équipe. Nous savons que c'est une très très bonne équipe. Je disais avant le match, sur les derniers 10-15 en deuxième partie de saison, une équipe qui a les meilleures 4e ou 5e équipe de championnat maintenant. C'est clair la qualité de l'équipe Nancy. C'est clair aussi qu'ils ont changé beaucoup de joueurs. Et bien sûr, ils ont créé beaucoup de problèmes à nous sur le match. Je pense que le point plus. Nous avons arrêté de jouer. Nous avons fait 8 minutes de match. Parce que nous avons un but et raté un plus 2. Après, nous avons arrêté. Nous avons forcé trop le jeu intérieur, perdu le deuxième ballon, perdu le duel. Et nous ont donné, bien sûr, avec une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité devant, l'espace entre les intervalles pour jouer. Et ça a créé beaucoup, bien sûr beaucoup de problèmes pour nous. Nous avons réussi. Et le plus important, c'est nous allons voir le match de Lorient, qu'est-ce qui va passer. Maintenant, manque un point pour confirmer. Oh, dépend du match Lorient. Mais nous avons ça a été important de gagner le match. Nous avons 9, peut-être 6, et après confirmer les 3e places. On reste concentré, je dis avant, on reste concentré, on va reposer un peu, attaquer le match lundi et faire les mêmes choses qu'aujourd'hui. Faire le maximum pour gagner le match à Clermont. Voir que la concentration, je pense que ce n'est pas seulement à 3. Nous sommes sur notre 7e victoire consécutive. Et toutes les équipes du monde, à 6e, à 7e victoire consécutive, ont besoin de rester plus concentrés qu'avant. Hein? Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Hein? Et on a besoin de rappeler ça. Rien ne s'est fait, bien sûr. On n'a pas confirmé les 3e places. On a besoin de confirmer les 3e places. Et après, avec un peu de tranquillité, préparer le match de play-off.